amis, j'espère que vous allez bien, les gars. T'es mal, la gueule de Sasquatch en vacances, frérot, tu te rases même plus, c'est la folie. Bon, les petites news, donc tu l'as remarqué, frérot, pas de live depuis un moment. Alors c'est très simple, pourquoi pas de live, hein? C'est parce que voilà, j'ai arrêté tout simplement de boire pour le moment. Voilà, plus d'alcool, zéro, parce que là, concentration maximale sur mon permis. Voilà, j'en ai ras le cul, j'ai envie de ressortir ma soubille. Alors aujourd'hui, très simple, je vais sortir le vario donc du MRM, parce que j'ai remarqué donc le petit roulement de R3, donc avec fonction embrayage, c'est bloqué, voilà. Alors je pense qu'il est dead, hein. On va le sortir, malheureusement, je n'avais pas la rage Doppler. Mais, grâce au père Mathieu, frérot, nous l'avons récupéré hier. Ensuite, donc, pour le petit Metrakit 70, donc c'est là-bas, là, derrière moi, là, ici, là, bam, tu vois. Donc j'ai tourné toute la vidéo, voilà, du montage du moteur, etc. Voilà, je l'avais monté donc sur mon châssis, donc celui-ci est mon magnum papal, frérot. La papa mobile. Et donc, je me suis aperçu simplement qu'il y avait une fuite au niveau de la pipe à cause tout simplement de cette saloperie là de boîte à clapet Poligny. Ce qui est évident, hein, voilà, si tu remarques bien, voilà, il y a seulement deux trous donc pour pouvoir serrer donc cette saloperie là sur le bas moteur, on va dire. Et donc forcément, avec deux trous, j'avais soit une fuite là, soit une fuite en haut, soit là, soit en haut. J'ai tout essayé, pâte à joindre, tout ça, ça tenait pas, ça tient, je sais pas, un quart d'heure, ça lâche, donc ça, hein, je vous le déconseille, clairement. Et voilà. En plus, la pipe tient donc sur la boîte à clapet avec seulement deux joints toriques, tu vois, trois espèces de vis, enfin bref, c'est un espèce de mismatch ça. Évitez ça les gars, pipe 19, direct, bam, bloom, allez, terminé. Et une paire de clapets type Athena Bidalo, t'écartes un petit peu les lamelles, ça fait le job. Et sans fuite. Donc j'attends tout simplement que l'abonné me ramène donc la pipe 19 que j'avais dit de commander de base, pas cette saloperie, mais bon voilà, les gens n'écoutent pas. Et une fois qu'il m'aura ramené donc cette pipe 19, je pourrai enfin finaliser donc le montage final, le remonter donc sur ma machine, parce que là, t'as compris, j'en avais besoin moi de la machine. Et puis faire les réglages finaux, et puis ensuite redégager le moteur vers chez lui, qu'il nous monte sur sa brelle et puis qu'il puisse rouler, quoi. Voilà. Bon, pour une fois, je vais faire un effort, hein. Je vais mettre des petits gants pour faire honneur, bien entendu, à GL qui nous les avait envoyés. Ça fait plaisir, voilà. Surtout parce que j'en ai un petit peu ras le cul, voire me laver sans arrêt les mains, tout le temps, trois fois par jour, ça casse la tête. Tout simplement les gars, hein, voilà, salade donc de roulement, quoi, voilà. Donc le roulement qui permet d'avoir entre guillemets une fonction embrayage, voilà, donc dead, hein, poubelle, on va en commander à nouveau, il n'y a plus qu'à. Alors pour continuer, je souhaite passer un gros big up donc à Daddy, Thomas Hawk Tuning, frérot, si tu ne connais pas la chaîne, va t'abonner vite, qu'on arrive au 100K, ça va être beau. Pour la casquette, bien entendu, que j'ai gagné au concours du Lord, le concours truqué, comme vont dire certains. Oh, Mobile Event, comment ça se fait que tu gagnes à chaque fois? T'inquiète pas, c'est le vaudou, frérot, le vaudou. Alors finalement, cette histoire de roulement sur le MR1, je vais pas, ouais, on va pas y aller par quatre chemins, comme on dit, ça va garder. Et voilà, ça m'a fatigué. Donc, j'ai décidé de à mettre littéralement à poil, frérot, à poil, regarde-moi ça, à poil, 51, à poil. Bon, comme tu peux le voir, voilà, ça c'est les derniers éléments qui me restent à tout simplement nettoyer, briquer, voilà, faire briller, avant de l'arroser, voilà. Alors je pense que je vais arroser que le cadre, je verrai une fois bien nettoyé, voilà, une fois qu'il sera bien propre, parce que y a pas grand chose. Alors est-ce que je l'arrose totalement, je sais pas, ou est-ce que j'y tape simplement des retouches aux endroits clés. Je sais pas, je vais voir, parce que la peinture d'origine est vraiment belle, brillante, à voir. Ensuite, hop, comme tu peux le voir ici, voilà, ça c'est tout ce qui a déjà été simplement nettoyé, briqué, voilà, et qui est ressorti dans un jus exceptionnel, frérot. Y a rien à dire, hein. Hyper propre, hein. Elle était plus sale qu'autre chose, voilà. Ici, voilà, hein, tu vois, la coque, etc., voilà, garde-boue arrière. La bulle avant qu'il va falloir bien entendu que je repeigne. Donc voilà un petit peu le programme pour la rentrée. Donc tout simplement restaurer donc le MR1, le remettre nickel chrome, petite déco, tout ça. En plus je suis d'époque.
ensuite, on passera tout simplement à la fin, finalisation du New West, voilà. Que finalement je garde, voilà, je comptais le vendre, mais finalement je vais le garder, c'est clair et net. Dipla, ça, tu peux prendre la petite derrière et tout pendant les balades mob, ça peut être beau, ça, tu vois, en famille, comme on dit. Et surtout, je pense, voilà, courant octobre, peut-être on lui fera une petite config, voilà, une config vite fait, alors peut-être un petit pot serpentin, tu vois, avec un petit vario, histoire de, voilà, ou alors une cage galée, je sais pas encore. Je suis pas du tout décidé encore, dites-moi dans les commentaires ce que vous ferez, voilà, sur New West. Alors à présent, ben, je vais descendre donc chez le père Mathieu, frérot, le père Mathieu. Car on a prévu une petite balade tous les deux, voilà, pour qu'il puisse tester, ben, tout simplement sa nouvelle petite 51 salsa blue, comme on dit, magnifique. Voir déjà la fiabilité, voir comment ça se comporte, voir s'il faut pas augmenter, descendre un petit peu le gicleur, etc. Les derniers réglages, voilà. Car nous avons une balade donc courant septembre qui se déroulera donc à Cajarc. Voilà, Cajarc dans le Lot. Donc on vous filmera tout ça, bien entendu, hein, tu connais. Et puis entre temps, bien sûr, ben, le 11, je serai à la fête de la mobilette. Voilà les petites nouvelles du Saint-Pape, tout simplement. Bon là, vous avez compris, vacances, etc. On essaie de se remettre en branle pour le permis. Donc voilà le pourquoi du comment de mon absence. C'est parti, je vous balance la vidéo. La compression. Allumez l'essence, moi. T'as la compression, le fils de pute, toi. Ah, qui? The engine. Ah, la folie furieuse. On va le tester. Ah la saloperie quoi. Un peu chauffé. Ouais, tranquille hein. Il est ouvert lui ouais. Ouais on est bon. Putain la saleté quoi. Oh. Ouais non, quand même, quand même. T'as compris, respect de la mécanique. Allez. Ah j'ai plus d'œil, ah ça abuse. Oh la saloperie quoi. Oh putain de merde quoi. Ah non franchement ouais putain. Oh la pute quoi. Saleté quoi. Incroyable. Oh là là, saloperie quoi. Putain qu'est-ce qu'elle tire quoi. Incroyable. Incroyable. Oh ça change pas tant que ça. Hein. Mais pompe à eau qui marche ou pompe à eau qui marche pas? Ah pompe à eau qui marche pas. Ouais, tu vas être dans les 60. Hein. Le but, c'est
60 en crête, 65 quand il fait chaud, tu vois, Maxime. Tu seras par là, hein, à la pompe. Putain, quoi. Bon, après, voilà, hein, tu le sais, hein, matos de qualité, hein, t'as compris. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Quand t'as monté T6, tu l'as gratté comme un gros baf, là. Oh là là, quelle saloperie, quoi. Putain, la cale de forain qui est en dessous, quoi. Ouais, comme ça. Oh, énorme. Putain. Vidal Junior, ouais. Vidal Junior, ouais. Pas mal aussi. Oui, non, bah, ça c'est rien, ça, hein. Le coup de peinture est terminé, hein. Allez, c'est parti, bande de gros lards. On va faire un petit tour avec le père Mathieu. Un tour.
quelle merde. Putain, con, ça me gonfle. J'ai remarqué, c'est encore pire quand je prends un virage, en fait. Dès que j'arrive dans un virage... Putain, con. Ah, ça me rend cinglé. Ah, je te jure, ah, c'est un enfer à rouler. Je te jure vraiment un enfer, quoi. Ouais, marche bien, la pute. Si, ça va. Ça va, franchement. Au final, il y a quoi, car 15, quitte. Non, 16, tu m'as dit. 15 ou 16. 16, le kit, le pot. T'as raclé, tu racles, eh oui. C'est ce que j'ai remarqué, les bois. Eh, parce que souvent, il faut inverser la biellette. C'est ça le truc. T'as pas la bonne biellette, il faut la longue. Faut celle qui est comme ça. Je sais pas si celle de mon F50, elle est pas plus longue. On va regarder. Parce que moi, j'ai la vraie Ninja du F50. Mais je suis quasiment sûr qu'elle est plus longue. J'ai une plus longue, mais de droite, pas de portée. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ben, chez Ninja, surtout, il y avait 50 options à l'époque. D'un pot à l'autre, c'est pas la même. Quoi. Il faut regarder, ouais, il faut regarder ça. Regarder en fait, ça, c'est beau. Ouais. C'est pas 40, là, c'est tout ça, c'est là qui manque. Tu vois, si j'avais une pour un peu plus grande, ça, tu faudrait un 56 ou un truc comme moi. Hop, hop, partir direct. Et ouais, en fait, c'est le temps que commence à tracter avec ce courant, et après, t'as la puissance du kit qui arrive d'un coup, et là, tu pars, tu vois. Ouais, il te faudrait quoi Ah ben là, je te vois, hein. Je vois que t'es posé un peu en mode à l'arrière, là, bizarre, là. Limite chopper, tu sais. C'est un peu bizarre, tu vois. Ah ouais, putain, je suis vert, quoi. Putain, il me fait des trous de fou, mon gars. Normal, je relâche un peu la poignée. J'arrive, j'entame le virage. Et là, je te vois... Ouais, et oui. Et oui, je vais sortir. Je vais sortir. Une frisère ou t'es clapé, tu sais là. Ouais, moi je pense. Donc, que c'est pas de chance que ça le fasse pile au moment où t'es démonté. Ouais, mais c'est ça, tu vois. C'est pile poil à ce moment là. Parce qu'elle marchait nickel, je l'ai démonté et maintenant elle galère. Donc ça sort, je le vois. Par là, là, t'as vu là, j'ai une fente de la botte à air. Ah ouais. Là, ça pisse de ouf. Et par le haut là, du carbu. Donc ça dégueule bien du carbu. Ouais, ça dégueule du carbu. Donc c'est au moment où ça compris, pas Ça dégage de partout. Regarde, là tu vois, regarde. Ici là, trempette. Trempé. Tu vois, il y a plein de trucs. Ton mélange, il est parfait en plus. Ah oui, c'est ça. Pas de noir, y'a rien. La couche. Ça, c'est la 2%. 2%. 2% de 5, tu vois. 2,5. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme là? La fâche. On n'est pas fâche. Alors j'ai bien regardé, c'est au moment où ça me fait le brop, là l'essence elle gicle, elle sort de partout en fait. Elle sort du carbu mais dans tous les sens. Ouais. C'est pile à ce moment là, dès que j'arrive, tu vois, par exemple je me lance à la descente, mais normal, je lâche les gaz, dès que je remets les gaz, c'est comme si j'avais mis un gicleur 90, tu vois, trop riche, tu sais. Et là je regarde, et ça pisse comme limite, tu sais, comme si j'avais... un trou, tu sais, à la durée d'essence, c'est quoi, tu vois. Incroyable, quoi. Dégoûté, quoi. Puis je le sens, tu sais, elle est montée et tout. Enfin, j'ai plus de patates, du tout, tu sais. C'est une espèce de veau, quoi, tu vois. Là, abusé, mec. Abusé, quoi. Putain, moi qui voulais serrer le cylindre, j'arrive pas à le serrer, quoi. Il y a tout autour, sauf le cylindre. Tiens.
Ouais. Pour le serrer, ça me donne la vie. Ah, pour le serrer, c'est insérable, ça. Ah, mais j'aimerais bien monter le Jardonnay. Lequel? 50. Tu l'as? Oui, tu l'as. Ouais, je l'ai. On est sorti le bleu, rien. Rien. Mais moteur, qu'est-ce qui t'empêche de monter? Tu fais un bon moteur également. Un vrai bon moteur 500 tout ça. Ça serait mieux. Et comme ça, ce moteur, tu le prends, tu le poses. Il faudrait un second ouais, à côté. Ouais. Un 512 à côté déjà. C'est en haut deux quoi. C'est l'investissement. Et... Ouais. Faut trouver le 512 surtout et avec les prix actuels. Ouais, non, le bas moteur, ça peut se trouver facilement le bas moteur. Ouais, et après, il faut choper la culasse qui va bien. Ah, la culasse c'est gelé. Après la culasse. Ouais, j'ai redonné. J'ai redonné ses 4. Ah, il n'y a que le bas moteur. Il faudrait que le bas moteur. Ouais, que le bas moteur. Maintenant que vous avez vu cette petite balade, ben pendant cette balade, depuis 2-3 jours, on va dire, j'avais des soucis avec mon 51. Alors il tenait pas très bien le ralenti, mais c'était aléatoire. C'est vraiment une panne aléatoire de temps en temps. Quand je roulais, à certains moments, ben, j'avais l'impression qu'il s'engorgeait, voilà, qu'il avait un trop plein d'essence un petit peu. Il se mettait à brouter des fois à la réaccélération, voilà, etc. Donc je trouvais ça un peu chelou. Je ne comprenais pas, j'avais déjà ma petite idée, mais je retardais les chances, vous avez compris. Donc ben voilà, ceux qui sont abonnés à mon Instagram, il s'affiche là actuellement à l'écran. Vous l'avez déjà vu, mais voilà, la patine d'allumage. Et bien entendu, là tu vas le voir frérot, voilà la cause des soucis papales de la papa mobile. Fuite au joint SPI côté allumage, non, saloperie quoi. Donc ben voilà, tu connais la suite, donc les prochaines vidéos, hein. Simplement, remontage du moteur papal, voilà, on va lui faire une petite remise à neuf, on va dire. Après, j'ai pas à me plaindre, hein. 4 ans que je roule all day avec, quand même, elle m'a rendu des services de ouf, et tout est d'origine, voilà, de 1991, donc ce moteur n'a jamais été ouvert. Donc forcément, au bout d'un moment, il fallait s'y attendre, Grubba, fallait s'y attendre. Bon, sur ce, les amis, on se retrouve à la prochaine vidéo, très certainement, donc sur mon bloc moteur, voilà, ça t'as compris. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aide énormément, et puis ça fait plaisir surtout, voilà, vous avez compris. Ça me motive à vous sortir beaucoup plus de vidéos pour la rentrée, comme on dit. Dieu sait qu'il va y avoir des belles, vous savez pas tout. Abonne-toi, frérot, c'est pas déjà fait. Fais tourner la chaîne, comme on dit. Et sur ce, les amis, be check.